Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une première vidéo avec le Physio Ball. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur mon logo pour avoir toutes les notifications. Voilà. Oh, c'est parti, on commence par l'échauffement. Allez, je mets de profil. Le ballon, vous le placez entre les jambes. Fléchissez un peu vos jambes. Si vous manquez un petit peu de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Bien. Les mains en haut du ballon. Et je vais commencer par faire des petites bascules de bassin. En soufflant et en inspirant, je commence à rentrer mon ventre. Ok, je me redresse. Je trouve le nœud de mon bassin, j'engage mon transverse, je cherche l'allongement de toute ma colonne ainsi que mes cervicales. Voilà, et je pense à développer maintenant ma cage thoracique avec une respiration latérale, thoracique. Allez, engagez bien cette respiration. Bien. Je vais relâcher maintenant mes mains au sol et j'enroule mes épaules. Je viens fixer mes omoplates et je relâche encore. Je fixe mes omoplates à l'inspire et je souffle, je relâche. On ne bouge pas la courbure du dos. Voilà, encore. Inspire et souffle, tu relâches. Encore. Inspire, tu souffles, tu relâches. Tu inspire, tu montes les épaules, tu souffles, tu descends les épaules. Encore. Inspire et tu souffles. Encore deux fois. Ok, super. Bien. Tu rapproches un petit peu tes pieds. Les bras devant. Ok. Tu vas élever tes bras sans changer la courbure de ton bassin. Et tu souffles, tu descends les bras. À l'inspire, je monte les bras. Je souffle, je descends les bras. On ne monte pas ses épaules quand on monte les bras. Allez, fixez vos omoplates. Inspirez, je souffle, je descends. On fait encore deux fois. Deux élévations. Je la dernière. Inspire. Et tu souffles, tu relâches. Maintenant, les mains au niveau du menton et du sternum, et je vais twister la colonne en expirant sans changer la courbure du bas du dos. J'inspire, je viens au centre, je twiste de l'autre côté en expirant. Encore chaque côté, c'est tout petit, on est à l'échauffement. On ne relâche pas son centre, on ne relâche pas son neutre. Allez, une dernière fois de chaque côté. Ok, et je vais pouvoir relâcher. Bien, on a fini l'échauffement, on va pouvoir commencer le premier mouvement. Ça va être une variante du spine twist. Bien, je place mes jambes tendues. Je place le ballon. Vous allez placer plutôt le ballon entre les jambes. Voilà. Jambes tendues. On se calme bien sur les deux os des fesses. J'allonge mes pointes de pied. Si jamais j'ai du mal à tenir la posture, je peux fléchir mes jambes ou mettre une brique sous mes fesses, hein, comme on avait déjà parlé dans les séances précédentes. Ok. Bien. Les deux mains au-dessus du ballon. Bien. Je retrouve mes référentiels pilates. Ok. Je vais amener mon bras sur le côté. À l'expiration, en même temps, je vais allonger l'autre bras vers l'avant. Je twiste ma colonne. Je tourne ma tête. J'inspire et je reviens. Je change. C'est l'autre bras qui s'ouvre. Je twiste ma colonne. Rotation de tête. Je vais aller chercher loin devant et loin derrière. Ok. Et je reviens. J'inspire. Encore. Expire. On évite de monter l'épaule, on ne crispe pas les épaules. Super. Allez,
Encore une fois, encore deux fois de chaque côté. Cherchez à vous grandir quand vous revenez au centre. Expire. Et tu reviens. Encore une fois de chaque côté. Alors, bouge pas son bassin. Je ne veux pas voir vos jambes se décaler. Ok. Et je relâche. Je fléchis un petit peu les jambes. Je détends un petit peu la colonne. J'arrondis mon dos. Et je déroule. Encore une fois. Je souffle. J'arrondis. Ok. Et je relâche. Bien, je tends à nouveau les jambes, je les laisse déverrouiller. Bien, je vais faire des élévations de bras avec le ballon entre les mains. Allez, on va renforcer les muscles du dos. Allez, serrez bien vos omoplates, retrouvez tous vos référentiels pilates. Allez, à l'inspire, je monte le bras. Expire, creuse le ventre, ramène les bras à la à l'horizontale, hein, par rapport aux cuisses, parallèle aux cuisses, encore. Inspire. Expire. Allez, encore, quatre fois. Inspire. Et tu expires. Monte pas les épaules quand tu montes le bras. Encore. Super. Allez. Encore trois fois. Allez, on reste deux, on s'accroche. Tenez bien votre neutre, engagez bien votre centre. Et on va pouvoir relâcher un peu ce ballon sur le tapis. Fléchissez vos jambes pour détendre un petit peu. Les fléchis sur le hanche, on enroule le dos, je souffle. J'inspire, je déroule. Bien. On continue avec le roll-up. Maintenant, le ballon, je le place sur mes jambes. Sur mes jambes et mes genoux. Ok. Main en haut du ballon. Je retrouve mes cinq référentiels pilates. Puis, en expirant, je rétroverse mon bassin. Ok, j'inspire, je bloque et je souffle toujours dos rond. Je remonte. Une fois que j'ai mes deux os des fesses bien ancrés dans le sol, je déroule ma colonne sans cambrer mon dos, je retrouve mon neutre. Et je souffle à nouveau, rétroverse le bassin. Inspire, tu bloques, tu souffles toujours, remonte dos rond, creuse bien ton ventre. Et tu inspires, tu réalignes. Et tu repars en commençant par la rétroversion du bassin. Expire. Encore. Inspire. Et tu remontes. Ok. Les trois derniers, on va continuer avec un stand stretch. À la suite du roll-up. C'est parti. Allez. Rétroverse. Tu descends dos rond. Inspire. Tu bloques. Tu souffles. Tu remontes dos rond. Inspire. Va chercher à te grandir. Et tu continues avec un stand stretch. Verrouillez le ballon loin. Inspire, va chercher plus loin. Et tu souffles, tu déroules. Ok. Inspire, grandis-toi et dans le souffle, tu repars au roll. Inspire, tu bloques. Et tu souffles. Tu reviens dans le rond. Inspire, cherche l'autograndissement. Inspire. Et expire, pardon. Et tu descends. Avec le spine stretch, étire ton dos, allonge tes bras, fixe bien tes omoplates. Et tu inspires, et souffle, tu redéroules ta colonne. Inspire, allonge-toi. Et roll. Inspire, tu bloques et tu souffles, tu reviens. Ok, spine stretch, expire. Tu reviens, tu déroules, elle expire. Allez, on en fait un petit dernier. Allez, voilà.
Ok, super. Détends un petit peu les cuisses. Ok. On descend complètement, on roll-up, on descend jusqu'en bas. Et puis, on va continuer avec le long drive. Allez, c'est parti. On descend. On pousse un petit peu les fesses. Voilà. Je descends en roll-up. Allez. Rétroverse bien ton bassin, toujours avec tous tes référentiels. Tu descends, tu descends, tu descends. Ok. Bien. Là, hop, je vais placer le ballon sous mes mollets. Les jambes sont en angle droit. Bien. Là, tu allonges bien toute ta colonne cervicale sur le tapis. Bien. Retrouve tes référentiels pilates. Ok, une fois que tu es prêt, tu vas redresser le haut du buste, lever les bras à l'expire et on va faire des mouvements de battements de bras. 5 battements dans une inspire, 5 battements dans une expire. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 encore. Allez, si tu peux, tu montes un petit peu plus haut. Allez, engage bien ton périnée. Serre bien tes omoplates. Allonge ta nuque. Allez, on évite de trop bouger le haut du corps en faisant des battements de bras. Allez, les bras sont allongés, toniques. Allez, on allonge en haut. On allonge, on allonge sa colonne dans cette flexion. Serre bien ton périnée. Allez, monte un petit peu plus haut. Allez, on s'accroche. Super. Allez. Encore. Deux cycles respiratoires. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Le dernier. Ok, on stabilise. On descend les bras, les épaules et la tête. Ok, relâche un petit peu. Bien, on continue avec le single leg stretch. Bien. Alors, tu décales ton ballon sur le côté droit. On ne va placer que le talon droit sur le ballon. Bien, tu vas mettre les deux mains sur ta cuisse droite. Tu ouvres les coudes. On fixe les omoplates. Retrouve tes référentiels pilates. Les jambes sont en angle droit. Bien. À l'expire, je vais tendre la jambe qui est libre. J'inspire, je ramène cette jambe. Encore. Et j'inspire. Je reviens. Expire. Et je reviens. Encore. Encore deux. On ne bouge pas son bassin. Quand on allonge la jambe, dernière fois pour cette jambe. Ok. Je décale le ballon maintenant. À gauche. Je pose mon talon gauche sur le ballon. Ma jambe droite est libre. Je décale mes deux mains sur la cuisse gauche. Et à l'expire, j'allonge la jambe droite. J'inspire, je reviens. Et je reviens. Inspire, expire. Je reviens, j'inspire. Allez, encore trois mouvements. Ok, dernière fois. Ok, super. Bien. On va continuer avec le shoulder bridge. Bien, tu vas amener tes jambes en angle droit, caler le ballon. Voilà, contre les cuisses, les mollets sur le ballon, les jambes sont en angle droit. Ok, les bras sur le sol, le long du corps. Bien, je retrouve mes référentiels pilates. Puis en soufflant, je vais rétroverser mon bassin, imprimer les lombaires au sol. J'appuie sur le ballon, j'enroule
le dos en montant mon bassin. J'inspire, je reste en neutre et je souffle, je déroule d'abord le haut du dos, milieu du dos, puis bas du dos. Ok. Et encore. Je rétrobasse mon bassin en soufflant. Gâche bien ton périnée. Allez, je viens aligner mon bassin entre mes épaules et mes genoux. Je reste en neutre, j'inspire. Et je souffle, je déroule, je ramène. Mes jambes fléchies au fur et à mesure que je dépose ma colonne au sol. Allez, on en fait encore 4. Rétroverse, tu souffles, tu montes. Aligne, allonge-toi en restant neutre. Et tu déroules tout doucement. En même temps, tu fléchis tes jambes. Essaye d'étirer ta colonne quand tu la déposes au sol. Et quand tu l'enroules. Allez, 3 fois. Allez, tu engages bien ton fessier. Ne cambre surtout pas le dos. En position haute. Allez, le dernier. Rétroverse ton bassin. Engage ton fessier. Enroule la vertèbre après vertèbre. Là, tu inspires, ouvre la cage thoracique. Reste en neutre. Et tu souffles, tu vas dérouler d'abord le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, fléchis tes jambes. Et on relâche. Ok, bien. On va étirer un petit peu les ischio-jambiers. Bien. Avec ces référentiels pilates, tu vas monter ta jambe. Allez, expire et tu vas tirer ta jambe. Inspire, allonge ta jambe sur le bas. Et c'est l'autre qui part. Expire. Stretch. Inspire. Et tu changes. Inspire. Et encore. Allez, pour amplifier l'étirement, tu flexes ton pied. Inspire. Allez. Ok, les deux derniers mouvements, on s'accroche. Allez. Ouvre les coudes. Dernier mouvement. Ok. Et tu fléchis les jambes, détends un petit peu. Ok. On bascule sur le côté. On se redresse en appuyant. Seul. Avec sa main. Et voici pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on met le petit pouce. C'est plutôt sympa. Et puis je vous dis à très bientôt dans la séance de Physio Ball.